parce que c'est mon devoir. Bien sûr. De donner ça aux jeunes gens, sinon je ne serais pas honnête. Alors vous avez plein de projets, vous êtes très impliqué avec la jeunesse, effectivement. Vous allez aller en Algérie pour faire des démonstrations, pour former. Vous dites que les Américains n'y mettent plus les pieds parce que c'est trop dangereux, ils ont trop peur. Oui. En Afrique, en Algérie, vous faites ça, vous allez voir des jeunes et vous les aidez. Et aussi aider le cinéma algérien parce qu'il y a des directeurs et des acteurs algériens qui sont amazing, incroyables. Incroyable. Et aussi on va ouvrir une salle de karaté pour les jeunes algériens parce que c'est des gens qui sont quand même... courageux et qu'ils aiment l'action. Jean-Claude, c'est impossible de vous recevoir sans vous parler du grand écart, hein, le grand écart, ce grand écart que vous avez fait pour des publicités. Vous en faites plein. Vous en avez fait un qui est devenu depuis absolument culte sur la toile. J'imagine que vous n'allez rien découvrir, mais quel pied de... Jean-Claude Van Damme, ou comment le grand écart est devenu une œuvre d'art. Le...